capacité à rebondir, la capacité à être aidé pour être rebondi, et c'est des choses que vous proposez, je crois, c'est aussi quelque chose qui permet de lutter contre la tendance à la professionnalisation de la vie politique. Qui fait que si on peut avoir une vie après avoir eu une vie politique, et on sait que c'est facile, on est moins incité à faire n'importe quoi pour conserver son poste. Et vous avez vu, y compris dans ce parti, que parfois, la volonté de préserver absolument sa position politique, et même accéder aux plus hautes fonctions, peut jouer effectivement dans les couleurs, et ensuite, je ne citerai pas le nom, là, non. Alors, je pense que vous m'avez tous compris. Alors, il y a deux points, je terminerai là-dessus, il y a deux points qui me sont chers, mais qui sont de deux petites idées personnelles, mais je crois qu'il y en a une que tu partages. C'est sur la question d'inéligibilité des personnes n'ayant pas un casier judiciaire vierge. Je pense qu'il y a eu un grand vent de propreté moralisante dans ce pays, dans un compris, y compris parmi les gens qui, par ailleurs, sur les questions de justice, les questions de droit pénal, ont des positions assez libérales et ouvertes. Et moi, je ne vous cache pas que pour avoir été à deux doigts d'être condamné tribunal correctionnel pour un jour public, ce qui est une chose qui arrive très naturellement quand vous êtes directeur de publication d'un magazine et que vous laissez des militants verts comme Mme Leberg faire des bêtises sur des commissaires au fond du tout. Bon, eh bien, je veux dire, si j'avais été en situation de ne plus être éligible, j'aurais trouvé ça parfaitement injuste. Et je pense que le fait de condamner, comme vous avez purgé votre peine, ne vous condamne pas à l'exclusion sociale. Même si, de fait, pour un certain nombre de délits, il trouve tout à fait normal d'avoir des peines d'inéligibilité qui sont relativement longues et sévères, de telle manière qu'effectivement, on n'est pas des Cahuzac qui reviennent immédiatement au sein de l'individu politique. Après, je ne sais pas si sa condamnation est définitive, d'ailleurs, encore, mais bon. vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense qu'en fixer une règle générale d'inéligibilité totale de toute personne qui aurait eu à un moment une condamnation sur son casier judiciaire me paraît faire tout à fait excessif et tout à fait une sorte de condamnation à perpétuité, au fond, à ne plus pouvoir participer à la vie politique. Et l'autre sujet, c'est le sujet de la réserve parlementaire. Je pense qu'elle a été très attaquée au nom du clientélisme, avec juste raison, et c'est sûr. Mais dans le même temps, moi, il ne semblait pas scandaleux qu'un élu de la nation, fort de sa petite légitimité, puisse disposer d'un petit budget qui échappe à la logique majoritaire. C'est-à-dire dans un pays où les institutions sont extrêmement verticales et extrêmement liées à une logique majoritaire, de fait, le fait que des députés de l'opposition puissent soutenir quelques initiatives qui n'avaient pas le soutien du gouvernement en place et de sa majorité me paraissait pas mal, pour autant qu'elles soient inscrites dans des règles de transparence assez clair, et de critères d'attribution qui ne soient pas uniquement le bon vouloir d'un individu. Et j'ai d'autant plus tendance à le défendre que certaines activités associatives ou coopératives auxquelles j'ai été associé ont bénéficié de financements issus de la réserve parlementaire, et donc il me semblerait un peu léger de cracher dans la soupe après l'avoir goûté sans déplaisir. Même si c'est la nuit du conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt. Pas du tout, c'est pas les que vous avez dire. Merci Philippe. Alors moi, si vous en êtes d'accord, je vais vous proposer un format, c'est que, en fait, les propositions que nous avions faites à François Bayrou étaient tenues en 7 chapitres. Donc on va les prendre dans l'ordre, et puis je vous suggère de réagir, d'étayer, de développer, de nous dire un petit peu ce que ça vous inspire. Première chose, c'est que la réforme institutionnelle, ça va surprendre personne dans la salle, nous sommes pour l'instauration du scrutin proportionnel aux élections. Limite des cumuls dans le temps pour les mandats exécutifs et parlementaires à 3 mandats consécutifs de même nature. Nous sommes pour la suppression du nombre de parlementaires. Donc nous sommes pour la réduction du nombre de parlementaires. La suppression des parlementaires, on a plutôt réussi. C'est pas vraiment un lapsus. C'était pas dans notre projet, la suppression du nombre de parlementaires écologistes. Il n'a pas été jusqu'à dire ça. Donc,
la suppression de l'article 49.3 de la Constitution et le renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement. Ça, c'était le premier volet institutionnel. Est-ce que vous souhaitez commenter, détailler, éventuellement fixer une jauge? Moi, j'ai entendu parler qu'on se dirigerait vers un tiers de parlementaires en moins, réduction d'un tiers du nombre de députés, du nombre de sénateurs, ce qui, compte tenu des élections par circonscription législative, n'est pas sans poser des problèmes de redécoupage, etc. J'ai entendu parler aussi du fait que, éventuellement, on pourrait commencer à réfléchir sérieusement à l'instillation d'une dose de proportionnelle aux élections législatives. Nous, on est pour la proportionnelle intégrale, du moins tant qu'on est minoritaire. Néanmoins, le dernier qui avait promis la proportionnelle aux élections législatives, il n'est plus président de la République, on ne peut pas vraiment dire qu'il est tenu par un. Ça lui a coûté. C'est à cause de ça qu'il n'a pas été réélu. Ça, et en plus du fait qu'il ne s'est pas représenté. Donc oui, pour la réforme institutionnelle, je pense que là, au sein du mouvement, on est dans quelque chose qui est écrit depuis longtemps dans nos gestes. Ce sont typiquement des propositions que nous défendons depuis longtemps. Comment ? Je crois qu'on était sur deux mandats. Oui, moi aussi, oui. Je crois que c'était deux mandats sur le même. C'est statutaire, mais... En tant que membre du Conseil fédéral depuis un certain nombre d'années, on a essayé en 2011 ou 2012 de faire voter effectivement dans les statuts la limitation, et ça n'est pas passé. Je me souviens pour Noël, mais c'était peut-être pour le cumul. Je croyais que c'était deux. Historiquement, je croyais que c'était deux. En fait, oui, pour l'interne, on est sur trois, mais je crois que la tendance, c'est réfléchir plutôt par rapport à la durée. Il y a des mandats d'un an, deux ans, trois ans, c'est plutôt dire au-delà de 8-10 ans. Je pense que trois mandats de sénateur. Oui. Oui, c'est vrai qu'on parle de la diminution du nombre de parlementaires. Moi, je voudrais savoir, pour les gens qui ont été élus en tant que parlementaires, si ça leur semble vraiment une nécessité. Voilà. Ou si on a adopté ça un peu. Eva ? Moi, là, je vais faire trois remarques. Je vais commencer par la réduction du nombre de parlementaires parce que tu m'y as fort. Oui, je vais commencer par la question de la réduction du nombre de parlementaires. C'est pour le coup une proposition qu'on avait déposée et que j'ai donc signée. Je l'assume. Néanmoins, moi, pour moi, elle doit avoir comme corollaire la proportionnelle. Parce que sinon, on est dans une invention contradictoire d'être à la fois en lien avec les populations de notre territoire de façon très étroite, permanence hebdomadaire, etc. Si on augmente le nombre, aujourd'hui, on est sur 120 000 habitants, 80 000 électeurs. C'est beaucoup de gens, vraiment beaucoup de gens. Pour le coup, on nous dit très souvent on ne vous voit pas, mais parce que c'est impossible en fait de serrer 120 000 mains. Donc les gens ont l'impression déjà qu'on est éloigné et qu'on ne les représente pas assez, en tout cas qu'on ne les écoute pas assez, même si vraiment il faut dire que tous les parlementaires, tous les députés, en tout cas je ne parle pas le sénateur, tous les députés écologistes vraiment ont fait le boulot, y compris en circonscription. Donc, si on réduit le nombre de parlementaires, donc on élargit notamment le nombre d'électeurs pour chaque député, il faut avoir comme corollaire la proportionnelle, c'est-à-dire qu'on ne nous demande pas de représenter une circonscription. Pour le coup, je suis très favorable parce que vraiment, ce que j'ai vécu pendant 5 ans, c'est là aussi une injonction contradictoire avec le fait de nous demander sans arrêt finalement d'être un élu local. Tout en n'ayant aucun pouvoir, à part d'ailleurs un hasard parlementaire, sur le niveau local. Et à la fin du mandat, nombre de gens, y compris les militants écologistes, nous ont demandé « qu'est-ce que vous avez fait pour la circonscription ?» Qu'est-ce qu'on a fait pour la circonscription ? On nous trouve toujours des choses, mais c'est vraiment tiré par les cheveux. Et les gens ont
pense que cette double exigence qui est à la fois d'être représentant national et d'être un élu local sans en avoir aucunement les pouvoirs, si c'est un pouvoir d'influence, et ça, c'est, je pense que c'est un vrai problème qui s'accentuerait encore si on élargissait la circonscription. Donc pour moi, la réduction du nombre de parlementaires va avec la proportionnelle. Sur le nombre de mandats successifs, deux ou trois, je pense que c'est absolument indispensable pour libérer la parole des parlementaires. Je le disais dans l'atelier tout à l'heure, les parlementaires qui ont été les moins godillots, enfin, je ne parle pas d'écologistes, parce que moins godillots, on ne peut pas parler. Je parle parmi notamment les camarades socialistes, qui ont eu la liberté de parole la plus grande, qui ont eu le courage politique le plus grand, c'était ceux qui étaient en fin de mandat. Ceux dont ils savaient qu'ils ne se représenteraient pas et qui, là, ça leur laissait effectivement une liberté de ton et d'action qu'on ne retrouve pas quand les gens cherchent absolument à être réélus. Après, il y a, je pense qu'il faut y mettre là aussi un corollaire, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas sauter d'un mandat à l'autre, parce que si vous faites ce qui est dans les tuyaux pour l'instant, malheureusement, c'est-à-dire qu'on limite à trois mandats les mandats de député, et puis après qu'on puisse sauter sur le fait d'être sénateur, là, pour le coup, ça n'a à peu près aucun intérêt. Donc, je pense que ça va ensemble. Et ça va avec ce que s'est évoqué Philippe, qui est à mon avis absolument central, c'est le fait de s'occuper de la reconversion des élus et de leur indépendance vis-à-vis de la fonction politique pour vivre, tant que les élus auront besoin de leur mandat pour vivre dans la mandature, c'est normal, mais après, pour continuer à avoir un revenu, il y aura un problème. Je suis un peu moins sévère que toi sur le dispositif que je suis en train d'appliquer pour les salariés du privé. C'est peu connu, mais tu viens de l'évoquer. Quand on est salarié du privé, on peut suspendre son contrat le temps de la mandature et le reprendre après. C'est ce que je vais faire dans 5 jours maintenant, ou 7 jours. Et ça marche. Alors, je suis peut-être dans une boîte un peu particulière et ouverte et encore un peu de gauche. Je sais que j'ai d'autres collègues qui ont eu des difficultés à reprendre leur boulot dans leur ancienne boîte et qui ont été placardisés. Ça, c'est aussi la réalité. Donc, il y a la loi et puis après, il y a la réalité du monde du travail. Néanmoins, cette loi, elle existe. Il faut s'en saisir plus. Moi, je connais des députés qui ont abandonné leur poste et qui, en fait, n'ont pas suspendu, mais interrompu leur contrat. Je pense que c'est dommage. Et je pense qu'il faut l'appliquer plus souvent et la renforcer en vérifier le contrôle de façon à ce que la réintégration soit vraiment naturelle. Parce que là aussi, qu'est-ce qui conditionne la liberté de parole d'un député? C'est le fait de ne pas dépendre de sa réinvestiture et de sa réélection. Je dirais réinvestiture parce que qu'est-ce qui tenait les camarades socialistes? C'est le fait d'être investi à nouveau par les partis socialistes. C'est aussi pour ça qu'ils étaient aussi disciplinés. Ça ne réglera pas tout, mais déjà, ça sera aussi un peu plus de sécurité et donc de liberté pour les députés. Merci Eva. Vous voulez compléter sur ce thème-là? Non, enfin moi, j'ai toujours un problème avec le nombre de députés, effectivement. Je suis d'accord avec ce que dit Eva. Si on est dans la logique du scrutin proportionnel intégral, si en revanche on est dans une logique de scrutin, ce qui est quand même celle qui est, je veux dire, extrêmement majoritaire en France, c'est-à-dire que même si on va vers la proportionnelle, ni les socialistes, a fortiori encore moins la droite, mais même les centristes, n'ont jamais, enfin, portent plus depuis longtemps de la proportionnelle intégrale, donc ils sont pour une part de proportionnelle. Donc vous comprenez bien que si on réduit le nombre de députés et qu'on met une part de proportionnelle, ça veut dire que la part ici de la proportionnelle deviendra extrêmement faible. C'est-à-dire s'il y a 100 députés à la proportionnelle et que 10%, ça donnera que 10, hein, etc. Donc ça permettrait par exemple pas aux écologistes, et dont on sait très bien dans le cadre d'un scrutin majoritaire, pour nous c'est extrêmement difficile d'être élu. Donc ça voudrait dire qu'il faut qu'on ait notre groupe à la proportionnelle. Et pour avoir notre groupe à la proportionnelle, donc voilà. C'est juste pour essayer d'affiner un tout petit peu, mais sur le fond je suis tout à fait d'accord avec Eva, sachant aussi qu'il faut qu'on prenne peut-être l'expérience de ce qui se passe ailleurs en Europe, sur la double chambre et le fait que oui il est bon qu'il y ait une chambre qui soit élue à la proportionnelle intégrale, ça nous on l'a toujours porté, mais qu'il y ait aussi une représentation des territoires. Moi je ne suis pas un défenseur du clientélisme, mais je pense que les écologistes ne peuvent pas
se couper de la logique qui a toujours été la nôtre, d'essayer de ne pas opposer les échelons et de dire qu'il y a aussi de la politique à l'échelon territorial. Ce que les Allemands arrivent à très bien gérer, pas que les Allemands, les Italiens aussi, etc. Donc, il faut que dans le cadre de notre réforme structurelle, nous portions le fait, mais ce qu'on portait, hein, d'une réforme du Sénat, sans rentrer après dans le détail de la représentativité aussi de la société civile, mais qu'au moins on garde un espace. Si Emma a raison pour couper le clientélisme ou la fausse, enfin la démagogie de qu'est-ce que vous avez fait pour votre circonscription, et qu'on ait quand même un espace de représentation politique, sinon ça va éloigner considérablement les territoires de leurs représentants nationaux, et on va perdre un échelon. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter, mais je partage évidemment ce qui a été dit. Bah non, je n'ai pas de divergence avec ce que tu dis, les propositions qu'on a oralement faites à l'égard des sceaux François Bayrou et qu'on a ensuite mises par écrit, donc je ne vais pas me désolidariser. À titre personnel, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Eva et bien sûr avec ce qu'a dit Philippe. Moi, je pense qu'à une époque, à l'époque telle qu'elle est, moi, je trouve que trois mandats, ça fait beaucoup. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai déposé une proposition de loi au Sénat. Alors, ça ne faisait pas consensus auprès de mes amis sénatrices et sénateurs, qui effectivement avaient une réticence. Donc, moi, j'ai déposé deux mandats et pas plus d'un même type. C'est-à-dire deux fois sénateur ou deux fois député, et puis point barre. Concernant les éléments qui ont été signés tout à l'heure, moi j'aurais quand même rappelé qu'on en était, quand le texte est arrivé au Sénat, au 31e texte visant, on peut changer tous les intitulés, on peut jouer sur les mots, mais pour faire simple, réformer la vie publique pour la rendre plus vertueuse et plus aimable des citoyens. C'était ça l'enjeu du texte. Et par rapport à ça, il y a toutes les questions institutionnelles, il y a toutes les questions des modes de scrutin, il y a toutes les questions de quels doivent être les profils des élus pour avoir une république plus écolo, plus solidaire. Après, ça, tout ça ne résout pas la question de la participation des citoyennes et des citoyens aux élections. Et tout cela n'impacte pas, et on l'a bien vu, même s'il y a eu un renouvellement massif au mois de juin, cela ne renouvelle pas la sociologie de nos élus. Et là, on en est presque à une caricature, on est tous plutôt ravis qu'il y ait plus de parité, enfin, on a presque la parité. Néanmoins, quand vous regardez d'un petit peu près la trajectoire professionnelle et le CV, on est quand même là dans une, j'allais faire une boutade, mais un peu une république des CSP++. Voilà, des professions indépendantes, des diplômés de l'université. Et donc la vraie question, c'est quel est le bon système politique et quelles sont les bonnes contraintes électorales qui vont s'imposer à tous, qui vont permettre à la fois de faire du brassage d'élus, c'est-à-dire que ça tourne, qui vont permettre une représentation qui soit meilleure en termes de sociologie, c'est-à-dire qu'il y ait moins de distorsion entre la photo de la France, de l'INSEE, puisqu'on voit à l'Assemblée nationale, je n'ose même parler du Sénat, là on est presque une caricature, et comment est-ce qu'on enclenche une nouvelle dynamique pour faire voilà, une espèce de révolution démocratique qui soit un électrochoc positif. Et là, évidemment, bon, nous, on a discuté pendant longtemps sur le texte au Sénat, et nous, on a, pour prendre un angle sur lequel on m'avait invité, on a eu un combat, donc on a, je veux dire, gagné à moitié, mais qu'on n'a pas gagné, qui était la question du statut des collaborateurs. Il n'était pas dans le texte, il faut dire qu'on l'a fait rentrer, c'est un peu l'ironie d'histoire, on l'a fait rentrer via la prohibition des emplois familiaux, et c'est à cette occasion-là qu'on a pu enfin poser la vraie question d'un statut digne de ce nom des collaborateurs, avec des droits, des devoirs. Et là, on s'est heurté à quelque chose d'assez compliqué au Sénat. Alors, je vais parler très franchement, hein, mais on s'est heurté à des difficultés avec toutes les familles politiques, c'est-à-dire qu'on a une association qui gère les moyens alloués aux collaborateurs, qui s'appelle l'AGAS, et qui est présidée par une dame très gentille, une socialiste bontain, qui a été directrice d'école, qui est vraiment quelqu'un d'honnête, de sympathique, et, voilà, qui présentait bien.
Et dès qu'il a fallu rentrer dans le dur du sujet, c'est-à-dire octroyer des droits et tout simplement appliquer des conventions normales et par exemple appliquer les procédures de licenciement comme pour tous les salariés, et bien à ce moment-là, on s'est heurté en interne à une espèce de blocage très fort. Donc on a réussi à trouver un compromis politique après une soirée de débat qui a été plutôt... le débat a été correct, donc ça s'est mal terminé. Et donc en fait, là, on touchait du doigt la difficulté du législateur de penser, j'allais dire de façon posée, rationnelle, honnête et claire, le statut des personnes avec qui il travaille au quotidien. Et cette espèce de schizophrénie qui était de dire « nous imposons la loi à tous ». Nous allons réformer, nous allons voter les ordonnances. Enfin, nous allons, en gros, régenter les relations professionnelles pour tout le monde. Mais nous, c'est pas pareil. Il y a une spécificité. Je vous avoue, c'est quelque chose qu'on a eu vraiment beaucoup de mal à entendre et avec lequel on a eu beaucoup de mal à discuter avec les collègues, parce que, y compris pas hors ou communs, là-dessus, ils sont réglés, mais eux, ils avaient d'autres soucis à régler par rapport à leurs usages, le lien avec les parties. En fait, on s'est retrouvé quand même extrêmement isolé, hein, on était une poignée, à réclamer juste mais pas la lune, simplement que le droit du travail s'appliqua à tout le monde, y compris à nos collaborateurs. Et il faut être honnête, on n'y est qu'à moitié parvenu, c'est-à-dire ce qu'on avait fait au Sénat a été, on va dire, correct, ça convenait à tous les collaborateurs. C'était pas un licenciement économique, là-dessus on n'avait pas gagné, mais c'était, on va dire, appliquer une procédure, un entretien, enfin je ne sais pas, respecter la loi. Et on a été un peu marrés du fait qu'à l'Assemblée nationale, là-dessus, on a été battu. Et ce qui est intéressant, ce qu'a expliqué Philippe Rémond, c'est qu'ils ont semblé très très durs sur certains points, mais on a maintenu deux exceptions. Une exception libérale pour les consultants, les avocats, pardon, mais c'est une exception business. Donc on a maintenu une exception business. Et en même temps pour les collaborateurs, alors qu'il y a beaucoup d'anciens collaborateurs qui sont devenus des députés en marche, on a maintenu une anomalie quand même de statut des collaborateurs, c'est-à-dire qu'on est dans un entre-deux, c'est mieux que le rien qu'il y avait avant, mais ça n'est pas, j'allais dire, le droit commun. Et ça, ce paradoxe, ce libéralisme pro-business et puis ce statut des collaborateurs qui n'est pas correct, voilà, enfin pas totalement correct selon moi, ce deux poids deux mesures me gêne énormément dans ce qu'il dit de ce que se pense un certain nombre de députés. C'est-à-dire qu'ils veulent la confiance, ils veulent la transparence, ils veulent la probité, ils veulent la vertu, là-dessus on est tous d'accord. En revanche, lorsqu'il s'agit de l'appliquer, eh bien eux se font une exception business, parce que nous méritons bien, c'est ce que nous ont dit les collègues. Et quand on leur dit, mais c'est pas correct ce que vous faites pour les collaborateurs, ah oui, nous, on les traitera bien, c'est pas parce que vous ne les traitez pas bien, nous, on sera tellement vertueux que ça se passera bien. Et nous a-t-on dit, et nous, eh bien, on se débrouillera pour leur retrouver du travail après, donc c'est pas la peine de leur faire un statut spécifique, etc. Et donc, moi, j'avoue que sur ce point-là, j'ai ressenti, enfin, c'est pas le seul point, mais j'ai ressenti une immense gêne, parce que tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, on avait essayé, même si c'est dur, même si c'est compliqué, on avait essayé, concernant la gestion des collaborateurs individuels et, dans une autre mesure, dans la gestion des collaborateurs de groupe, on avait essayé, j'allais dire, de se montrer plus proche d'une coopérative que d'un système de non-droit. Donc là-dessus, bilan très mitigé, on sauve les meubles, mais on n'a pas atteint un objectif équilibré au sens où vous disiez. Pardon si j'étais trop long. Oui, moi, c'est juste parce que c'est surréaliste, ce débat-là. Enfin, je suis stupéfait, parce qu'au Parlement européen, et depuis fort longtemps, il y a une solution qui a été, double solution qui a été mise en œuvre et qui marche extrêmement bien. C'est que, évidemment, les collaborateurs ont un statut, c'est un statut d'ailleurs qui est extrêmement proche de celui de la fonction publique, avec des grades, avec l'impossibilité de ne pas mettre quelqu'un qui a l'expérience ou les diplômes, etc., en dessous d'un certain grade, avec des augmentations qui doivent être, qui sont statutaires, qui doivent être motivées. On n'a pas le droit de faire de la discrimination, évidemment, parce qu'on s'aperçoit que chez les collaborateurs, au Parlement, les femmes sont évidemment moins payées que les hommes, mais ça, c'est une règle, j'allais dire, générale en France. Ça n'existe pas au Parlement européen, et ça ne peut pas exister au Parlement européen.
où on a vraiment ce statut-là, avec une différenciation entre les salariés des groupes et les salariés des députés. Et juste pour dire comment ça fonctionne et pourquoi, enfin, c'est inimaginable qu'en France on n'ait pas ça, c'est que nous, nos collaborateurs, ne sont pas nos salariés. C'est-à-dire que nous disposons d'une enveloppe tous les mois, et moi je recrute mes assistantes ou mes assistants, j'ai droit à 3 assistants sur Bruxelles et autant que je veux à Paris, mais dans le cadre, enfin à Paris ou en circo, dans le cadre d'une enveloppe, mais les employeurs, ce sont les institutions. Et donc moi je n'ai même pas la possibilité de licencier. Si je licencie, il y a une procédure qui est interne, avec évidemment paritaire, avec des représentants, et je dois justifier moi les raisons pour lesquelles je demande le départ. Donc voilà, c'est juste pour dire que là, ce qui est assez bizarre, ce que je ne comprends jamais, moi, c'est pourquoi les groupes, y compris les groupes de droite français, le groupe PPE, donc la droite, il y avait Lamassoure, qui est un ancien ministre français, et ils appliquent ça sans aucun problème. Et tout le monde en est extrêmement satisfait. Par ailleurs, ça enlève une charge de pression à l'égard de ses assistants. Voilà, donc c'est simplement... C'est Onesta, notamment, qui a bossé sur ce... Alors, Onesta a énormément bossé là-dessus, mais l'ensemble des groupes, Onesta, qui était, enfin, pour ceux qui ne le savent pas, mais qui était vice-président du Parlement européen, vice-président écologiste et du Sud-Ouest, mais voilà, enfin, c'est des choses... Bon, voilà, on pourrait prendre l'exemple, mais ça aussi, je tiens et je le dis devant mes collègues français... sur ces sujets-là, nous ne sommes jamais interpellés. C'est-à-dire que jamais le Parlement français ne demande une audition des parlementaires européens français pour savoir comment ça marche, tout simplement. Et quel modèle on pourrait mettre en œuvre. Tout le monde s'en fout. Pour avoir vu parfois de près comment ça fonctionnait, c'est une vraie question de mentalité française, qui est qu'une grande partie des élites en France ont toujours du personnel domestique. Contrairement à des pays scandinaves, en Suède, personne n'a de femme de ménage, etc. Donc, il y a des choses qui sont très différentes. Et tout ça normal. Et dans les boulots des services parlementaires, dans l'esprit de beaucoup d'élus, ce sont quand même des salariés qui sont attachés à leur personne. Et de ce moment, on n'est pas dans le cadre du salariat normal, on est dans le cadre d'un rapport qui est un peu le rapport qu'on a à ces domestiques. Et y compris en France, combien de fois j'ai vu des gens très à gauche, vous savez, découvrir de ce moment qu'ils devaient payer des congés payés ou des indemnités de 6 mois à leur femme de ménage, ils disent « Ah bon ?» Voilà, c'est des salariés. On va peut-être passer la pelle dessus, mais moi je vais apporter un bémol parce que je pense qu'on a. Pas forcément les gens qui sont en train de se tu dis que le droit du travail, ça n'explique pas, le droit du travail s'applique quand même. Hein, parce qu'il y a une procédure de licenciement. Le problème qui s'est posé, et malheureusement, on nous le vivre de façon assez cruelle, donc à de nombreuses reprises depuis juin, c'est pas que la procédure de licenciement soit pas respectée. Elle a été respectée, on a fait les entretiens, c'était une obligation qui était donnée par l'Assemblée. Donc on respecte évidemment le droit du travail, et nous et les autres députés aussi. La question qui s'est posée, c'est le motif du licenciement, et c'est là-dessus qu'il aurait fallu progresser, c'est qu'effectivement ils ont été licenciés pour motif personnel, et autant dire que c'est évidemment un licenciement économique, puisque la cause du licenciement n'est pas attachée à leur personne, ils y sont strictement pour rien, donc ça aurait dû être un licenciement pour motif économique. C'était ça, à mon avis, le principal enjeu, mais c'est pas qu'on ne respecte pas le droit du travail, on respecte le droit du travail. Mais moi, je n'ai pas les mêmes questions aussi à son espace, justement. Ça se passe pas de la même façon que ce qu'on a déclaré en travaillant là-dessus. D'accord. Alors, je peux préciser qu'à l'Assemblée aussi, et on ne les traite pas comme des domestiques non plus. J'ai un peu de mal à entendre ça. Non, mais je sais, mais il y a un rapport évidemment particulier qui s'est établi avec les collaborateurs. Mais enfin, en tout cas, nous, les écologistes, évidemment, on a toujours respecté le droit du travail et. Sans doute au-delà, d'ailleurs, évidemment. Après, il y a un vrai sujet sur le fait qu'ils n'ont pas de convention collective, et le fait que je suis d'accord avec Pascal, je pense que ce serait beaucoup plus simple qu'ils soient embauchés par l'Assemblée, et qu'il y ait d'ailleurs un contre-pouvoir qui se crée, parce qu'effectivement, le fait d'être en lien direct, le député employeur face à ses trois collaborateurs,
Il y a des dimensions affectives qui se développent et ça complique les choses. S'ils étaient salariés de l'Assemblée, il y aurait évidemment des choses beaucoup plus carrées et beaucoup plus saines. J'aurais juste une question des collaborateurs, parce que par exemple, si au niveau sensibilité politique, enfin à l'Europe par exemple, les collaborateurs ils sont employés par le Parlement. Mais si ça change au niveau des sensibilités politiques, là il y a quelque chose. Non, ça changeait. Ils sont on les choisit. Ouais. Vous choisissez parmi le pool qu'il y a. Non, on choisit quand on veut. Simplement, en fonction de la personne qu'on choisit, elle va avoir elle va rentrer à un certain niveau, voilà, et son statut échappe. Le jour où, par exemple, vous n'êtes plus là, qu'est-ce qu'ils deviennent, les collaborateurs? Ah ben, ils sont en mandat comme tous les salariés, sauf les salariés des groupes. Les salariés des groupes ont un statut quasiment comme la fonction publique. Tant que le groupe vit, il est pour les... Oui, mais quand ça ne vit plus, ils sont... C'est ceux qui travaillent avec moi, ils savent très bien qu'ils sont engagés pour la durée de mon mandat. Et que voilà, c'est la règle. Pardon ? Deux ou trois. Trois, certainement pas, ça c'est sûr. Non, moi je suis d'accord aussi sur les deux mandats. Je pense que trois mandats nationaux, c'est trop. Voilà, je pense que c'est pas possible 15 ans ou 18 ans. Voilà. Après. Vous vouliez poser une question ? Non, c'est pas une question, c'est une remarque. Il me semble que le rôle des députés, c'est de faire la loi, mais c'est pas de tenir une permanence dans la circonscription où on a été élu et d'y régler des problèmes et de subir des assauts de faire la loi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est le seul interlocuteur, c'est ça qui pose question. C'est pour ça que je suis assez pour le faire à la langue. On est le seul interlocuteur du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif encore plus éloigné pour l'interlocuteur, pour l'électeur. Qui peut-il rencontrer? Il ne va pas rencontrer son préfet. Donc c'est nous qui viens voir. Et après, c'est vrai que là où tu as raison, c'est qu'il y a une dérive sur est-ce que vous pourriez m'aider à avoir un logement, est-ce que vous pourriez m'aider à avoir un travail, etc. Donc, un fantasme absolu sur le super pouvoir qu'on n'a pas. Donc on est en permanence dans une tension du fait justement qu'on n'a pas de pouvoir au niveau local. Notre mission, c'est de faire la loi et de la voter. Et c'est pas du tout compris. Du fait qu'il y a une circonscription. Et en fait, je pense que est-ce qu'on est déjà responsable au moment de la campagne électorale, la façon dont on présente... C'est difficile, ça. En même temps, c'est quoi l'origine de la loi? C'est le fossé. C'est le fossé qui se creuse entre les citoyens et les élus. Et je ne pense pas que l'éloignement le plus total soit une réponse à cette question-là. Le conseil municipal. Oui, mais ce n'est pas le pouvoir national. Et le pouvoir national, il décide de beaucoup de choses sur ton quotidien, il décide de tes impôts et tout ça. Et donc, il faut qu'il y ait quelqu'un, un interlocuteur. Les départementales et les régionales qui ont eu. Il y a une histoire, enfin moi je veux pas, j'entends ça, je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même des histoires dans la démocratie, dans l'histoire, dans la construction de la République. On imagine maintenant, enfin je veux dire Jaurès, c'était représentant des mineurs, c'était Carnot. Et il portait à l'Assemblée nationale les mineurs qui n'étaient pas à l'époque représentés, etc. C'est qu'il y a des territoires qui portent quelque chose. Mais c'est pour ça que là où il a raison, c'est-à-dire qu'il y a une dérive. C'est qu'après, on est demandé de voir le député en lui disant, s'il te plaît, trouve-moi un logement ou écris au préfet pour quoi. Ça, c'est scandaleux. Après, qu'à un moment, par exemple, que dans cette terre du Nord, il y a eu des élus qui soient d'anciens mineurs et qui viennent à l'Assemblée nationale pour porter ce qu'est le combat ouvrier. Non, mais je suis pas en train de... Je dis simplement que le lien, historiquement, il y a un lien entre les territoires et la loi. Et que c'est très difficile d'expliquer à des gens à un moment ou à un autre que finalement ce lien ne va plus exister, même dans la fabrication de la loi. Parce que défendre les droits des mineurs, c'est de la loi. Enfin, et d'ailleurs, on se bat pour que ça ne soit pas ramené au niveau de la mine. Et c'est un grand combat social. Mais voilà, il y a une histoire. C'est juste ça que je veux dire aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du jour au lendemain dire, parce qu'on le voit avec En Marche,
Parce que si les territoires demain sont absents complètement de la représentation nationale, je crains qu'il n'y ait plus que les élites, entre guillemets, parisiennes ou des grandes villes, et que tout un tas de territoires en France vont totalement être non représentés à l'Assemblée nationale. Donc voilà, il faut essayer de trouver un juste équilibre. Mais je suis d'accord sur le fait qu'on est là, enfin député, et que ce soit au niveau européen ou ailleurs, on est là pour faire la loi. Mais on est là pour faire la loi, mais sans être complètement hors sol. Voilà, si je puis me permettre. Parce que je pourrais en témoigner, c'est qu'on a aussi un certain nombre de tracts lors de l'élection d'une barrière de notre boîte aux lettres, où les élus s'engagent sur des questions qui ne relèvent absolument pas de leur compétence. Et notamment des gestions locales, la ligne 1 jusqu'au rigolo, ça fait à peu près 40 ans que les élus nous en parlent, alors que ça ne relève pas de leur compétence en tant que député. Voilà, tout. Donc, je propose d'avancer, même si, heureusement, on a traité des sujets qu'on devait aborder plus tard. Il y a, on parle de moralisation, et il y a une question qui est un petit peu connexe, qu'on a abordée dans nos propositions, c'est la transparence. Donc, Philippe en parlait dans son propos introductif, il y a une espèce de demande d'exigence de la société du spectacle qui va très très loin. Et peut-être que ça serait intéressant de vous entendre à ce sujet-là, sur les demandes que vous avez entendues, sur les refus aussi d'un certain nombre, et les arguments qui sont utilisés. Nous, on avait dit transparence sur les frais de mandat et remboursement par un service spécifique du Parlement. Qu'est-ce que ça veut dire? Suppression du statut de parlementaire en mission. Même moi, je ne sais pas ce que c'est peut-être intéressant. Et puis, la moralisation des groupes interparlementaires d'amitié. Voilà. Quels sont les rapports un petit peu malsains qui peuvent exister? Si vous pouviez nous éclairer. Bon, je vais parler peut-être du dernier point, parce que c'est pas quelque chose de très connu et que j'ai découvert. En tout cas, au Sénat, et si ça ressemble là aussi, je pense, à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on a la fonction la plus connue, voter les lois. On a la fonction qui est les lois et le budget. Il y a une fonction qui est moins connue et qu'on pratique quand même, c'est de contrôler l'application des lois que nous avons votées et ce que fait l'exécutif. Il y a toute une mission d'investigation à travers des missions d'enquête, des missions communes d'information, voire des missions d'information où on doit établir la vérité des faits et voir si ce que nous avons décidé de faire fonctionne ou pas. Et il y a un troisième volet. Moi, j'avoue que c'est pas celui, c'est peut-être celui que j'ai découvert le plus soudainement. Il y a en France une tradition extrêmement forte de diplomatie parlementaire. Alors, il y a un volet que je n'aborderai pas, mais qui est une vraie question. Ça a été un peu, en tout cas, au Sénat, moralisé. On voyage plus tout le temps. Il y a des quotas de voyage. Pour chaque voyage, c'est à la proportionnelle du nombre qu'il y a dans chaque groupe. C'est, on va dire, les collègues qui voyagent pour travailler sur un pays ou sur un dossier, voire les deux. Et là, il y a vraiment des choses à revoir, parce que pendant longtemps, le Sénat a pu servir un petit peu, j'allais dire, d'agence de voyage, et donc des collègues pouvaient, dans des conditions vraiment exorbitantes, voyager. À mon avis, je suis au bureau du Sénat, j'ai regardé un petit peu ça, maintenant, les sénateurs participent au financement, c'est contrôlé, on fait un compte-rendu, j'allais dire, il n'y a pas de choses de délit de voyance, enfin en tout cas, de ce que j'ai pu constater. Néanmoins, ça pose un vrai problème. Lorsque vous êtes dans un groupe d'amitié, il y a une hiérarchie, il y a un président, il y a des vice-présidents, etc. Et vous allez avoir des capacités d'agir de ces parlementaires qui vont voir régulièrement essentiellement l'ambassadeur, qui vont voir des entreprises qui travaillent avec ce pays. Et donc ça, c'est un dossier mais extrêmement sensible sur lequel vraiment on a besoin de progresser. Je ne vais vous prendre qu'un dossier parce qu'il va vous parler, c'est un dossier écolo. C'est l'histoire de l'huile de palme. C'est un vieux combat écolo qui a été porté par beaucoup de députés européens et de sénateurs. Et à la faveur d'un concours de circonstances dont Marie Blandin avait secrète, Marie Blandin a réussi un jour où il y avait peu de monde dans l'hémicycle à lire l'amendement qu'Aline Archimbaud avait rédigé et une majorité de mains se lève pour voter la fin du régime dérogatoire de l'huile de palme, qui fait que l'huile de palme est beaucoup moins taxée que les autres huiles, et donc elle a un avantage compétitif totalement inégal. Et donc nous étions extrêmement contents, extrêmement fiers
d'avoir réussi un coup, mais totalement improbable, qui était un combat très ancien. Et donc, on était content, persuadés, ben, j'allais dire qu'on avait gagné. On était en plus confiants sur le fait qu'une assemblée dite de gauche allait pouvoir reprendre le combat, et on a pensé que c'était plié. Et ça, ça a été une grande naïveté de notre part, parce qu'à ce moment-là, les groupes d'amitié se sont mis en branle, notamment au Sénat, et en fait, les groupes d'amitié nous sont tombés dessus, alors là, quelle que soit la couleur politique, parce que il y a des pays qui ont intérêt à l'huile de palme, et donc à ce moment-là, on a vu ce qu'était l'opacité de ces groupes, j'allais dire la face cachée de la diplomatie parlementaire, donc il y a une dimension business extrêmement sensible concernant tout l'agro-business, concernant le nucléaire, concernant les ventes d'armes, et donc là, il y a un vrai sujet sur lequel il faut plus de transparence, assurément. La fin des fins, il y a eu aussi des pressions directes des pays producteurs. Oui. Même s'il n'y avait pas eu des groupes parlementaires, les groupes d'amitié, de toute façon, il y aurait eu des pressions diplomatiques extrêmement fortes et nous avons eu droit donc, à une intervention magnifique de Barbara Pompili pour nous expliquer qu'il fallait retirer l'amendement, que, enfin, qu'il fallait abroger l'amendement que vous aviez fait adopter parce que. Enfin, d'ailleurs, sans grande explication, mais par pragmatisme, parce que et, donc, malheureusement, votre avancée n'a pas pu être adoptée. Moi, je vais aborder le sujet de l'IRFM et des notes de frais. Je crois savoir que c'est que tu as fait spécialement. L'IRFM. Enfin, non, représentative des frais mandats. Moi, il me semble que d'abord, il faut redire qu'il y a eu quelques avancées dans la mandature précédente. On les a un peu vite balayées. Comme elles ont été insuffisantes, elles sont passées un peu inaperçues, mais quand même, une cumule des mandats, par exemple. Une définition de comment devait être utilisé l'IRFM. Il y a la transparence sur les déclarations de revenus et de patrimoine. Important et une avance importante. Les bons temps de faire. Merci Thalida. C'est vrai. Donc il y a eu quelques avancées, mais il restait à mon avis un des éléments qui était le plus opaque et négatif sur la rémunération des parlementaires, qui était effectivement l'utilisation du RFM, qui était une enveloppe extrêmement importante, sur laquelle on ne nous demandait aucun compte. Aucun contrôle, aucun compte. Donc, le fait que dans la loi de moralisation, il y ait un remboursement des frais de mandat sur justificatif est une avancée nécessaire, et je ne vais pas dire beaucoup de bien de présidence Macron, je pense, pendant 5 ans, mais là je peux dire que c'est un élément positif et c'était ce qu'il fallait faire. Pour le coup, la transparence, alors là, je ne vois pas l'intérêt. Je pense que là, on va trop loin. On compare toujours avec l'entreprise. Moi, je suis salarié du privé, j'ai des notes de frais, j'arrive à m'en demander des billets. Et je trouverais ça aberrant que mes notes de frais soient affichées à l'entrée de l'entreprise pour savoir combien de fois j'ai déjeuné. Enfin, en l'occurrence, mes notes de frais sont évidemment pas tous mes membres depuis le longtemps, mais je pense que là, on touche quand même à la limite de la transparence qui est une entrée vraiment dans l'intimité et dans le. D'un certain exhibitionnisme parce qu'on est député, on devrait tout savoir de notre vie à tout point de vue. Moi, à partir du moment où c'est sur justificatif, que c'est encadré, défini et contrôlé, je ne vois pas quelle est la justification de la transparence à partir de ce moment-là. Ouais. Surtout que c'est vraiment utilisé pour le mandat. Donc c'est d'un point de vue prime. À ce moment-là, on peut afficher la rémunération de collaborateurs. Non, mais je pense que là, on va toucher peut-être au nœud du problème. Attention quand même à l'anti-parlementarisme systématique. Je pense qu'il y a quand même un truc de suspicion généralisée. Il y a eu des dérives. Évidemment qu'il y a eu des dérives. Et évidemment qu'il faut renouer le lien de confiance. Après, si, et on a quand même eu ce sentiment-là, enfin, moi personnellement pendant 5 ans, si on est tout le temps soupçonné
et friquer et avoir toujours la suspicion de quoi qu'on fasse, et d'ailleurs même si on faisait la transparence sur tout, de toute façon il y aura toujours cette suspicion, on a vraiment quand même à un moment donné le sentiment de comment dire, d'usurper notre rôle, que forcément on est des voyous, que quoi qu'il arrive, on nous considérera toujours comme des corrompus et des pourris, et je vous assure qu'à un moment donné, ça dégoûte un peu du mandat parlementaire. L'immense majorité des députés est honnête, elle est là pour défendre l'intérêt général, elle a parfois, à un moment donné, tu le disais, en rigolo, mais c'est aussi vrai, elle a parfois abandonné des rémunérations plus intéressantes pour se consacrer à l'intérêt général. Il y a zéro reconnaissance du temps qu'on passe, qui est délirant. Personne ne se rend compte du sacerdoce que c'est que d'être un député, en tout cas d'être un député écologiste. Je suis d'accord, t'en as qui coûtent rien, mais je pense que vous avez pu vérifier dans les chiffres qu'un député écologiste, ça bosse jour et nuit, et le week-end compris, parce que justement, on revient au début du sujet, quand on est considéré comme un élu local, en plus il faut être sur tous les marchés, le samedi et le dimanche, on n'a pas une vie familiale, je ne vais pas pleurer, ce n'est pas la question. Mais je trouve qu'il ne faut pas aller trop loin dans le flicage perpétuel et dans la transparence absolue. À un moment donné, ça touche à quelque chose qui n'est pas très loin du totalitarisme. Je trouve qu'on est vraiment quand même dans la recherche. Il faudrait tout savoir sur tout ce qu'on fait tout le temps. On ne demande pas ça à un salarié d'entreprise, jamais. Ouais, bon. Alors, je vais vous parler. Vous m'entendez ? Oui. Bon, okay. Simplement, alors, on doit pouvoir, sur ces sujets-là, essayer de trouver des positions qui sont des positions intermédiaires. Oui, c'est de l'argent public. Et oui, parce que c'est de l'argent public et parce que nous sommes des représentants de la nation, quel que soit notre échelon, nous avons peut-être des responsabilités qui sont plus grandes que celles, de tout un chacun. Donc moi, je ne compare pas le statut du député, du parlementaire, au statut du salarié dans le privé, parce que ça n'est pas la même chose. Mais en revanche, on peut peut-être le comparer, là aussi, au fonctionnement d'un fonctionnaire public qui gère des deniers de l'État. Et donc, ce que l'on peut peut-être arriver à faire, parce que Eva a parfaitement raison, il ne faut pas qu'on rentre non plus dans un monde où de suspension. Nous, ce qu'on fait au Parlement européen, on a, et le groupe des Verts là-dessus, a pris l'initiative. C'est que nous, on ne gère pas nos frais, les frais de représentation, etc., sont gérés par une caisse à part. C'est le groupe qui finance dès lors qu'on justifie de l'utilisation, etc., etc. Donc il y a un contrôle qui est un contrôle externe. Et on ne peut pas être remboursé si on n'a pas justifié l'utilisation dans le cadre de l'Europe cet argent. Donc on ne peut pas détourner cet argent-là. Mais on a la question des frais généraux. Et les frais généraux, effectivement, ce que les Verts ont proposé, ça n'est pas de descendre dans la facture par facture, parce que là, il y a des experts comptables qui peuvent contrôler. Comme moi, par exemple, dans mon cabinet d'avocat, mes factures étaient données à mon comptable. En revanche, je publiais un bilan dans lequel, année par année, il y avait les catégories de dépenses. J'avais transport, temps. Moi, ce que je comprends, c'est que si demain, on publie, par exemple, chaque hôtel qu'on se déplace, il va y avoir des gens pour nous emmerder en disant « Pourquoi t'es descendu dans l'hôtel machin alors que le Formule 1 juste à côté, il était 30 euros de moins ?» J'en sais rien, j'ai n'importe quoi. Et là, effectivement, ça devient juste ingérable. Ça devient ingérable. En revanche, que nous ayons une transparence, et nous l'avons décidé au sein du groupe des Verts, et on essaye de faire en sorte que les autres groupes aient la même pratique et la même politique, c'est qu'on ait par département, les transports, les frais d'hébergement, etc. Je pense que là, c'est pour ça que je dis qu'on peut trouver un truc intermédiaire. Moi, j'ai conscience qu'effectivement, ce n'est pas notre argent, donc on ne peut pas l'utiliser n'importe comment, c'est clair. Mais je pense aussi qu'on ne peut pas se mettre à disposition de tout le monde.
En revanche, les contrôles peuvent avoir lieu, et il suffit, encore une fois, moi, il y avait des comptables, et les comptables, ils valident. S'il n'a pas la facture, il ne valide pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut qu'il y ait des tiers qui contrôlent. Et comme dans la fonction publique, on ne demande pas à un fonctionnaire de publier toutes ses notes de frais. Elles sont contrôlées, vérifiées, et voilà. Donc on doit trouver ça. Après, moi, je ne voudrais pas qu'on se trompe de combat. Je pense que le premier problème de la transparence pour les députés, et ça a été évoqué, je vois là, agir contre les lobbies, et c'est ça, moi, le problème que j'ai. C'est pas tellement de savoir ce qui est fait. Ok, il faut le savoir, et je retire pas ce que je viens de dire. Mais le vrai sujet, c'est quel est le lien qu'il peut y avoir. Parce que quand on dit que l'huile de palme, c'est le problème d'abord et avant tout des groupes, pardonne-moi, hein, parce que là, je partage pas ce sentiment-là. Ça n'est pas le problème des groupes, des fraternels, des machins, etc. C'est le lien qu'a l'agroalimentaire avec un grand nombre de députés. Et c'est vrai pour tous les grands secteurs. Et donc, pourquoi est-ce que l'huile de palme, on s'est fait tabasser et le Sénat l'a fait passer intelligemment, mais derrière, ça a bloqué. Et je regrette que Barbara Pompili ait prêté la main à ça, même si elle ne l'a pas fait consciemment. C'est que les lobbies... Non, mais ok, mais je m'en fous, je ne veux pas personnaliser, je m'en tape. La réalité, c'est qu'il y a au sein des institutions des représentants clairs des lobbies, quels qu'ils soient. Et donc, le lobby agroalimentaire a des exonérations sur l'huile de palme, comme l'automobile a des exonérations sur le diesel, comme les aviateurs ont des etc., etc. Et dès que vous touchez un lobby, alors là, vous voyez se mettre en œuvre tout leur réseau. Et donc la vraie transparence, c'est que notamment pour les avocats, pour les comptables, pour tous ceux qui sont dans le conseil, quels sont leurs liens ? Quels sont leurs liens ? Quand on me dit que Rachida Dati percevrait à peu près 500 000 euros par an de Engie, enfin ex-GDF Suez, pour ses fonctions d'avocate. Un, il faut m'expliquer comment elle peut faire, parce que moi, j'ai arrêté tout mon travail, parce qu'on ne peut pas être député et avocat. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. C'est pas possible. On travaille, et ça a été dit, comme un grand salarié, ça travaille au moins 8 heures par jour. Donc on ne peut pas avoir une activité à côté. Donc moi, je veux savoir pourquoi elle touche 500 000 euros. Et je veux savoir, quand il y a un vote sur les questions énergétiques, quel est le rapport, le lien. Et c'est ça le vrai problème de la transparence. Qu'au lieu de nous emmerder, pardon, mais moi sur une note d'hôtel qui est pas bien, c'est pas bien, ok. Mais la réalité, c'est beaucoup moins grave que de savoir qu'il y a tout un tas de députés qui émergent auprès de grands groupes privés, que ce soit des labos pharmaceutiques, que ce soit l'industrie agroalimentaire, etc. Directement ou indirectement, par des colloques, la haute autorité devrait savoir à partir de, je sais pas, peut-être 5000 euros. Exactement pourquoi vous avez des rémunérations. Nous, on est payés, et bien payés, pour faire notre fonction. On n'a pas demandé les députés. On a des gens qui nous ont fait confiance et qui nous ont élus. Eh bien, je pense qu'on devrait interdire les rémunérations parallèles pendant le mandat. Et si les gens considèrent comme un tel ou un tel qui ne sont pas assez payés, eh bien, ils se cassent. Eh bien, exactement, si elle était mieux payée comme avocate, moi j'étais mieux payé comme avocat, ok, sauf que j'ai fait un choix à un moment de ma vie qui était de m'engager pour les idées auxquelles je croyais, et je m'en fous de l'argent. Je ne veux pas être payé, mais c'est pas le sujet. Non, mais si demain je veux regagner plus de fric, je repars dans le privé, ça te semble. C'est pour ça que les vrais combats sur la transparence, et là moi je rends hommage à Sebella pour représenter aussi Michel, le combat que les convainc tous. Mais que Michel Rivasi notamment mène sur la question des lobbies pharmaceutiques et la santé au Parlement européen, voilà le vrai combat. C'est pour ça que je voudrais que la transparence, ça ne soit pas non plus l'écran de fumée. Et j'ai l'impression que M. Macron, et puisque Eva disait qu'elle allait pas en dire beaucoup de bien pendant 5 ans, moi c'est exactement ça que je veux dire. C'est que j'ai l'impression qu'on nous parle beaucoup de petits sujets pour laisser à côté de ça les gros vrais sujets qui sont ceux des liens des industriels avec les représentants de la nation, où qu'ils soient. Voilà, et ça pour moi, c'est un vrai gros combat. Alors, je suis d'accord avec ce que vous avez dit les uns et les autres, et à cet égard, je pense que la notion de travail sur ce qu'est un conflit d'intérêts me semble au bout d'un moment plus pertinent que cette histoire de transparence. C'est-à-dire qu'il faut dépasser le regard. Parce que, en réalité, et moi j'ai réalisé cela en discutant avec quelques-uns des nouveaux députés de ma circonscription, moi dans ma circonscription sur 7, on a
les Républicains et 6 marcheurs. Et sur les marcheurs, c'est assez intéressant la sociologie. Il y a un ancien copain de chez nous, il y a une copine qui était là, Mathieu, il y a Stella qui était une fille de gauche, enfin, je pense qu'elle est restée gauche, et puis il y a deux inconnus, une dame qu'on connaissait et deux inconnus. Et donc en discutant avec ces deux nouveaux inconnus qui sont des personnes très sympathiques, moi je me suis aperçue du fait que, en tout cas à leur arrivée, je les crois honnêtes, je les crois travailler avec plein de bonne volonté, ce que représentait la notion de conflit d'intérêts, ils ne l'avaient pas pensé, ils ne l'avaient pas conceptualisé, ils ne s'y étaient pas confrontés. Et donc j'avais devant moi deux personnes brillantes, un qui vendait des arbres, et une qui est militaire. Donc c'est deux sur sept. Donc, il se trouve que ces deux sujets m'intéressent. Et donc on a discuté, mais comme ça, amicalement, de manière informelle. C'était au moment où ils allaient à Paris pour choisir leur future commission. Et donc à ce moment-là, on a une discussion assez intéressante où je leur ai quand même expliqué que ça me paraissait compliqué qu'ils aillent dans une commission où ils allaient aujourd'hui fixer des règles pour demain aller carrément les appliquer, pour l'un revendre des armes et pour l'autre retourner dans l'armée. Et ce qui m'a quand même semblé intéressant, c'est qu'ils découvraient le problème et que finalement... après en avoir parlé entre eux, à l'issue de cette discussion, ils ont, et l'un et l'autre, l'homme et la femme, choisi une autre commission que celle qu'ils avaient annoncée dans la presse au moment de leur élection, en prenant en compte justement cette question de conflit d'intérêt, en disant bah non, ça ne va vraiment pas être possible de faire. Et donc, c'est un peu la difficulté à mon avis dans laquelle on va être dans ce moment politique, d'avoir quand même, bon, il y en a un tiers d'expérimentés qui vont, voilà, un tiers de novices, et puis un tiers quand même. On peut dire qu'ils sont passés au bon moment, qui ont été élus, mais qui ne s'étaient jamais confrontés à toutes ces questions-là. Et donc, je les crois honnêtes, je veux bien les créditer de ça. En revanche, ils vont être des proies extrêmement faciles pour tous ces lobbyistes qui vont les contacter de manière masquée, en leur demandant des rendez-vous, en voulant les rencontrer. Et là, pour moi, le gros sujet, et c'est difficile à expliquer comme ça, parce que c'est quand même, on travaille sur des questions humaines et de confiance, ça va être comment... En quelques semaines, former autant de personnes à cette question des conflits d'intérêts, parce que les lobbyistes, ils sont ingénieux, vous les virez par la fenêtre, ils rentrent par la porte, et donc ils sont d'une intrusion extrêmement active, et là je pense que c'est ça le vrai sujet. Si vous ne voulez pas des travers de ce qu'est une transparence qui devient complètement... déraisonnable. On était en train tout à l'heure ensemble avec Eva Joly, je parlais avec Eva de son expérience en Norvège, parce qu'on avait auditionné des Norvégiens au moment d'un rapport sur l'open data au Sénat, donc je voulais un petit peu avoir son point de vue de ce qu'était la transparence appliquée aux femmes et aux hommes politiques en Norvège. Je veux dire, franchement, ça ne fait pas du tout envie, parce que c'est à la fois la pipolisation absolue et c'est de l'épluchage pointilliste de tout. En Norvège, l'agenda de toutes les politiques parlementaires et exécutives est en temps réel sur Internet accessible. Chaque semaine, tous les emails professionnels de tous les ministres, etc., est accessible en temps réel. Et en réalité, est-ce qu'avec ce système, ils ont moins de corruption ? La réalité était non. C'est-à-dire qu'Eva est partie là-bas pour voir est-ce que le système tel qu'il est empêche la corruption, et on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, ce pays où il n'y a pas de rideau chez les personnes et où on prône la transparence totale, bah, ce n'est pas forcément la moralité totale, ce n'est pas forcément ça. Et je vous signale un ouvrage, je vous cite, qui est signalé dans Le Monde des Livres d'hier soir, d'un philosophe allemand très intéressant sur la tyrannie de la transparence. Donc je pense qu'il faut parler de connaissance de l'usage des données publiques complètement, mais la tyrannie de la transparence a des limites. Et moi, je dois vous avouer que je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Eva. Je n'avais pas, j'avais imaginé des choses, mais cette défiance m'est compris chez des copains là-dessus. Donc c'est moi, ce que j'ai fait, j'habitais dans mon petit appartement à peu près tous les copains, et donc on mangeait, et je me disais, bah, là, il y a mes classeurs, si tu veux regarder pour voilà, mes relevés de compte, et en fait, si tu veux regarder, bah, voilà, ils sont là, ils sont à ta disposition, tu pourras rendre compte aux autres. Ah ben, il n'y en a pas un qui a voulu les prendre, mes classeurs. Pourtant, je les ai mis à disposition
en disant bah, vous pouvez, tu peux les regarder, je suis prête à rendre compte de tout, et tu l'expliqueras aux copains. Donc il y a une vraie difficulté de comment, à un moment donné, comment on peut prouver l'honnêteté. Et dernier point, ça je voulais aussi le dire par rapport à des choses qui m'ont choqué dans la vie publique ces dernières années. Moi j'ai quand même trouvé un journaliste local, la presse locale en bas de chez moi, parce qu'il voulait savoir qui est le père de ma fille. Bon, je lui ai dit, mais pourquoi vous avez cette idée-là? Vous me connaissez depuis longtemps. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Il me dit, ah mais non, mais vous, les gens ont le droit de savoir. Les gens ont savoir qui est le père de votre fils. Et le motif, c'est la transparence. Voilà. Donc c'est sur l'idée qu'on dépasse le problème. La réalité, c'est est-ce que chaque euro, quelqu'un a dit, c'est de l'argent public, est-ce que chaque euro que nous avons utilisé avec notre IRFM, il était conforme à nos engagements, à la légalité, au combat qu'on porte, etc. Voilà. Et nous, pour finir sur l'anecdote, ça a été moralisé au Sénat en 6 points, c'est-à-dire il y a 6 critères de dépenses de l'IRFM, ça a été mis en place en 2014, c'est assez clair, on l'a appliqué, on l'a fait, mais sachez qu'il y a des causes que nous ne pouvons plus soutenir à travers cela, c'est-à-dire que les 6 points sont très spécifiques. Jadis, avec Marie Blondin, il nous arrivait d'aider... quand il y avait des nécessités, une famille qui était à l'hôtel, enfin une famille qui était à la rue, nous arrivait de faire un usage qui était de dire bah, on ira, on avait prévu un dîner ce soir, on disait aux gens bah, on n'ira pas dîner, on va offrir l'hôtel à ces gens qui sont SDF, et en échange, on sort un saucisson et on va manger. Bon, c'était pas illégal, c'était autorisé, c'était les bonnes causes qu'on soutenait. Tout ça, ça a été interdit. Donc il faut voir que les marges de l'IRFM, c'était aussi parfois des marges de solidarité. Je pense notamment nous, en Maine-et-Loire sur les 100 logis. Ça a été très clairement une contrainte de ne plus pouvoir aider certaines actions qui étaient des actions vraiment de secours où c'était ça, où des gens dormaient à la rue. Voilà. Donc ça, on n'y avait pas du tout pensé. C'est vraiment des actions traditionnelles. Et tout ce qui est aide de secours, c'est maintenant interdit. Enfin, donc on l'a plus fait. Je vous assure, expliquez ça aux copains quand ils me disaient j'ai une famille, etc. Bah, tu pouvais il y a 6 mois. Bah, maintenant, on ne peut plus. Ça n'est plus légal. C'est aussi ça, on va dire, les progrès de la transparence. C'est aussi la fin, moins de solidarité vis-à-vis des publics qu'on pouvait soutenir. Nous, ça nous a vraiment marqué cet aspect-là. Député, c'est toi la patronne. Pardon ? Il faut peut-être. Enfin, ce qui serait intéressant, c'est des fois, c'est peut-être de. Parce que les gens ne font pas la proportion entre le marché du lobby. Et puis la petite aide qu'on fait comme ça, c'est entre quelques euros et puis des milliers. Je crois que le public, il ne se rend pas compte de la différence. Non, mais on peut peut-être considérer... Enfin, moi, là, j'ai un vrai problème. Nous, c'est totalement interdit d'utiliser les deniers de l'Europe à des fins personnelles, même de choisir. C'est-à-dire qu'on considère en Europe qu'on n'a pas le droit de choisir telle famille SDF plutôt que telle autre, etc. En revanche, on peut essayer. D'abord, on peut le faire avec nos deniers personnels. Quand le parti, et on est tous témoins, et on l'a tous fait, quand le parti appelle au secours, vous avez un certain nombre de parlementaires qui regardent ailleurs, et puis vous avez des parlementaires qui donnent, et on donne de nos deniers personnels, parce que c'est comme ça, et ça ne nous choque pas. Donc si on le fait pour le parti, on peut le faire aussi, peut-être pour des assos ou pour des ONG, d'autant plus que c'est fiscalement déductible, et qu'on a des revenus qui nous permettent un peu de le faire. Et là où on peut peut-être être un peu plus peut-être intelligent, enfin, c'est que nous, c'est interdit à l'Europe. Et moi, j'ai un de mes assistants qui m'a proposé quelque chose auquel je n'avais pas pensé, puisqu'on n'a pas le droit d'aider. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des kits au nom du groupe écologiste au Parlement, des kits pour les SDF et pour les migrants qui arrivent, quelle que soit leur situation, légale ou illégale, pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas déjà un kit de toilette? Ah oui. Avec dedans, je sais pas quoi, enfin, un truc, une trousse de secours pour des gens qui arrivent en disant écoutez, bienvenue, etc. Bon, ben ça, on l'a fait passer au groupe des Verts, et le groupe des Verts a dit ok, donc on va financer sur nos deniers deux groupes, et c'est une manière, et on va en distribuer, je sais plus combien, 1000 et quelques, et après on trouve avec, il faut trouver évidemment les ONG et les assos. Donc, ça nous oblige peut-être à un peu imaginatif, mais j'entends ce que tu dis. Il faut qu'on ne perde évidemment pas de vue pourquoi aussi, et on doit aider les gens en souffrance, c'est pour ça qu'on est élu d'abord et avant tout. Mais voilà, il faut peut-être trouver d'autres solutions que d'aller taper dans une réserve. Mais bon, voilà, c'est Sébastien, tu veux nous présenter ton initiative? Ouais.
D'ailleurs, je crois que Pascal en parle. Je crois que Pascal a mis le doigt sur le dur, enfin, sur vraiment le sujet par rapport au débat de ce soir. Moi, je vais juste revenir, faire un petit capotac sur la transparence de tout ce que tu évoquais, Eva. C'est vrai que dans le domaine de la santé, on voit bien que parfois c'est un leurre, c'est des têtes décontumées, pareil décontumées. Dans le domaine de la santé, depuis la loi Bertrand, je crois, donc depuis le tribunal du médiateur, enfin, qui est loi issue du tribunal du médiateur, on a, vous savez, il y a une plateforme, il fallait consulter cette plateforme, qui s'appelle transparence-santé.gouv. Cette plateforme, vous pouvez voir si votre médecin traitant a des liens d'intérêt, soi-disant, avec les labos pharmaceutiques. Et en fait, vous voyez uniquement les frais, c'est-à-dire les restos qu'il a pu faire avec donc les petites dépenses ou les petites gratifications qu'il a eues de l'industrie pharmaceutique. Mais en revanche, les grands professeurs de médecine, enfin, les leaders d'opinion qui sont également sur cette plateforme, vous pouvez les consulter, ceux qui entendent à la télé, à la radio, etc., sur les prescripteurs, on va dire, bah, ceux-là, en fait, tous les contrats, les vrais contrats. Pour les études cliniques des produits pharmaceutiques, entre les produits de santé, et ben, ces contrats-là, jusqu'à maintenant, n'étaient pas concernés par cette transparence-là. Donc on voit bien que c'était les petites dépenses qui étaient concernées, mais voilà. Ça, c'était l'aparté sur la question de la transparence dans le domaine de la santé et ses lacunes. Alors après, je voulais présenter donc l'association Vigilum, vous avez peut-être en main le manifeste de cette association, qui est née en fait il y a quelques mois, c'est tout frais. La première campagne d'action qu'on a faite, c'est sur la loi de moralisation de la vie publique. Et en fait, on s'est réunis avec des lanceurs d'alerte, à Frachon notamment, qui est dans le cours, on a Dubuisbois, celui qui a lancé l'alerte sur la question des bouts rouges. On a des intellectuels type Dominique Bourg, Vivray, etc. Et on s'est dit, qu'est-ce qui manque dans le champ? On a des associations qui sont exemplaires, qui ont un travail formidable sur la question de la lutte contre la corruption. Je pense à Transparency, je pense à Anticorps. Mais il manque. On est parti du fait qu'effectivement, il y a une dépossession, il y a une dépossession notamment du politique, alors il y a une démission le plus souvent, il y a une dépossession du politique, et on s'est dit, il faut que les citoyens se réapproprient donc la chose publique et lutte contre les lobbies de manière efficace via des campagnes d'action et lutte également contre les mensonges d'État, et que ce soit également des vigies sur les différents territoires. Donc on est parti de ce constat-là, on a fait ce manifeste-là, et la première campagne, donc, on a axé sur la loi de moralisation de la vie publique, et on est parti sur deux mesures phares, enfin, deux parades en fait, à cette capture scientifique et réglementaire des lobbies. Sur le volet donc capture réglementaire, on s'est dit donc, par rapport au conflit d'intérêts et par rapport à ce que tu évoquais, c'est-à-dire le passé souvent et la dépendance liée aux activités précédentes d'un parlementaire, on s'est dit qu'il fallait instaurer un délai de carence. Un délai de carence de 5 ans et dans les deux sens. Donc, hein, pour éviter donc, les passerelles publiques-privées, ce qu'on appelle le pantouflage. Donc il y a le cas Barroso que Pascal connaît bien au niveau du Parlement européen, qui lui a respecté le délai de carence fixé par le Parlement, mais c'est un an et demi, c'est trop court. Nous, on est parti en fait de l'exemple canadien, de la législation canadienne, qui est peut-être la plus en avance sur cette question de la régulation des conflits d'intérêts. Et au Canada, en fait, ils ont défini une catégorie de fonctionnaires et d'élus, en fait, dépositaires de charges publiques, on appelle ça comme ça, je crois. Donc c'est les élus qui ont été en charge exécutive, les parlementaires, les ministres, les membres de cabinet ministériel et les hauts fonctionnaires, les chefs de l'administration. Et donc pour cette catégorie de hauts fonctionnaires, il aurait interdit de basculer dans les 5 ans qui suivent leur sortie de fonction, de mandat, dans le même domaine d'activité, en tout cas, qui aurait été mis. Donc ça, c'est la première mesure par rapport à la première parade. Alors cet amendement, je pense, a été... Cheikh Bateau l'a présenté à l'Assemblée, là, récemment, dans le cadre de l'examen de la loi de moralisation. Elle a trouvé même des parlementaires de la République En Marche qui l'ont accepté. Je ne sais pas au Sénat comment ça s'est passé par rapport à s'il y a eu un amendement similaire. S'il a été... Non, je pense qu'il n'a pas été voté au Sénat. Et alors, l'autre volet, l'autre mesure que l'on... Par rapport à la capture scientifique, je pense qu'elle est essentielle, c'est la création... Et Marie Blondin s'est beaucoup battue dans ce domaine-là, et notamment elle a fait une proposition de loi qui va dans le bon sens. C'est la question de la création d'un pôle d'expertise indépendant. On voit bien aujourd'hui que l'expertise, souvent, est dépendante des multinationales. On le voit sur tous les sujets, sur les sujets européens, glyphosate, perturbateurs endocriniens, etc. Mais on le voit également en France, des agences sanitaires, souvent, délèguent leur expertise à des expertises privées, en fait, à des privés. Et donc, on voit bien que c'est en lien avec des grands groupes. Et donc, pour éviter cela, la création d'un... Enfin, l'idée qu'on défend, qui était un peu démagogue, c'était de dire, puisqu'on va supprimer la réserve parlementaire, on a établi qu'avec 30 millions d'euros, la réserve parlementaire, c'est 180 pour les deux assemblées. Combien de
147, mais en tout cas, nous, avec 30 millions d'euros, on peut faire une expertise indépendante sur le volet sanitaire et environnemental. Ça, ça a été estimé par les experts, voilà, Philippe Lévin, ancien président de Necker, et nos experts sur le volet environnemental. Donc 30 millions d'euros, ça permettrait de garantir une expertise complètement indépendante et de recueillir également l'alerte, pour que les lanceurs d'alerte puissent avoir une cellule vers laquelle se diriger. Et donc l'idée, c'est de reprendre la loi Blandin qui avait été votée. Merci. Et donc, juste Vigilum, vous avez la première campagne d'action, le manifeste. La prochaine campagne d'action, vous pouvez adhérer à Vigilum, ce sera sur la question des mines, et notamment les mines en France. On a bossé avec ATC, donc les toxicologues, notamment qui avaient bossé sur le dossier de l'amiante, etc. Et sur les mines, en fait, dénonce le fait que les protocoles de pollution ne sont pas du tout respectés, on est sur des sites complètement pollués, que ce soit en Bretagne, que ce soit dans les Cévennes. Voilà, ce sera la deuxième campagne d'action. Merci, merci Sébastien. Eva, tu voulais. Comment faut que tu y ailles mais, parce qu'il y a la plénière, mais c'est pas par la plénière Europe. Eh bien, oui. Que je vous aide. Oui. Je vais prendre 2 minutes pour conclure. Ah, oui, 2 minutes. Non, c'est 2 minutes, ce ne serait pas un peu mieux. D'abord, moi, je voudrais redire que c'était quand même une loi nécessaire. Il ne faut pas jeter le bébé avec le bidon. Je pense que ça a amélioré un peu la confiance de l'opinion publique envers les élus. Donc, il fallait faire cette loi de moralisation. Après, je suis complètement d'accord avec ce qu'on dit Corinne et Pascal. Le grand trou noir de la loi, c'est la prévention des conflits d'intérêts. Mais ce n'est pas un hasard si un quelqu'un comme Macron ne s'est pas intéressé à ce sujet. Moi, je pense qu'il faut créer une obligation de déport. Tu l'as dit un peu, mais moi je pense que ça ne doit pas être volontaire. Je pense qu'il doit y avoir une obligation d'effort quand on a un lien financier sur un sujet passé ou actuel et que ça doit être contrôlé par un renforcement des pouvoirs du déontologue. On n'en a pas parlé ce soir, mais il y a un déontologue à l'Assemblée. Malheureusement, il n'a pas beaucoup de pouvoir et je pense que c'est très important qu'il ait plus de pouvoir. Tu peux expliquer qu'est-ce que ça peut être l'obligation de quoi de déport, c'est-à-dire que quand il y a un sujet, par exemple, moi je travaille, je suis expert auprès des comités d'entreprise. Quand il y a eu le sujet sur l'expertise des comités d'entreprise dans la loi de travail, je ne voulais pas participer au débat et je n'ai pas voté. Ça peut être fait ça comment, déport ? Et le POFT. Ça existe pour les juges. Quand on a un lien avec un dossier, ils ne jugent pas. Retrait. Il a quand même permis, par rapport à Bure, hein, qui est quand même un des dossiers qui va devenir central, a permis que le rapporteur de la loi qui est à CIGEO soit également membre, soit le même que celui qui était membre du conseil d'administration de CIGEO. Après, quand on choisit, il est peut-être isolé. Est-ce que c'est pas la haute autorité de gérer ces deux cas ? C'est peut-être plus indépendant. Après, il y a la transparence sur les activités de conseil, tu en as parlé. Moi, je suis plutôt pour l'interdiction, carrément. Je pense que c'est plus simple. La transparence sur les rendez-vous avec les lobbies. Je crois savoir qu'au Parlement européen, c'est publié. Ne peuvent rentrer que ceux qui sont inscrits sur les registres. Le problème, c'est que c'est vrai pour le Parlement, ça n'est pas vrai pour la Commission, c'est pas vrai pour le Conseil. Et les rendez-vous sont publiés. Mais nous, les lobbies au Parlement européen sont très encadrés. Après, ce qui est déséquilibré, c'est le fric qui est mis. Il y a des centaines de millions d'euros qui sont mis par l'agroalimentaire, l'industrie, etc. Et les ONG ou autres, parce qu'on nous dit, c'est égalité. Greenpeace fait aussi du lobby, c'est vrai. Sauf que Greenpeace, ils ont 30 000 euros, là où les autres mettent 3 millions. Sur ce sujet-là, qui est, à mon avis, essentiel, c'est-à-dire la transparence, pour le coup, des rendez-vous avec les lobbyistes, quand il y a eu la loi Sapin II, on a essayé de l'introduire, on nous a renvoyé au règlement de l'Assemblée. Donc je vous invite collectivement à interviewer le président de l'Assemblée qui peut émettre d'une réforme réglementaire de l'Assemblée pour qu'il introduise cette disposition. Je suis sûre qu'il sera favorable. Après, je pense que tu l'as dit, c'est aussi important, parce qu'on n'efface pas les lobbies, de soutenir les contre-lobbies. Il faut réglementer, y compris soutenir financièrement les contre-lobbies. Et c'est seulement cet ensemble-là qui va permettre de réguler un peu ce qu'on voit aujourd'hui à l'Assemblée de façon assez dramatique, c'est-à-dire la porosité entre les milieux d'affaires et les milieux politiques. Ça ne le réglera qu'un peu, parce que la vérité, c'est qu'il y a un entre-soi qui est aussi culturel, de gens qui ont fait la même école, qui se connaissent. Et moi, je raconte toujours le jour où je suis arrivée en bureau de la commission des finances, où il y avait une petite note sur la table d'informations, et je dis « Ah ben c'est quoi ?» C'est une note blanche. Je me dis « Ah ben ça vient de la BNP, comme d'habitude. »
Donc, il y a un problème d'acceptation aussi de cette pénétration des lobbies. Ça ne choquait personne à part moi. Donc, le problème de cet entre-soi et de cette interpénétration, toute la réglementation qu'on peut y mettre, et elle ne le réglera pas complètement, je pense qu'il y a une évolution culturelle à faire. C'est aussi quelque chose que doivent intégrer les parlementaires. C'est-à-dire qu'on ne peut, on est représentant de l'intérêt général. Et moi, j'ai quand même parfois l'impression que c'est un peu oublié, qu'il faut revaloriser ce rôle-là, et ce n'est pas en tapant tout le temps contre les politiques, que ça permettra aussi qu'ils soient fiers de représenter l'intérêt général et que ce soit valorisé en tant que tel. Alors aujourd'hui, c'est tellement dévalorisé qu'il faut dire les choses comme elles sont. Moi, ce que j'ai connu dans cette mandature, c'est une fascination pour les milieux d'affaires, parce que eux sont mieux payés, eux ont réussi, et nous, on se fait taper dessus pendant toute la mandature. Si c'est comme ça que le vivent les parlementaires, et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a l'impression que la vérité et le savoir est du côté des intérêts privés, et qu'il y a une dévalorisation du rôle du politique, qui de toute façon est nul corrompu, puisque c'est écrit partout dans les journaux et dans les médias. Ou de la fonction publique, mais pas où, et de la fonction publique. Et que donc, de toute façon, il faut aller chercher le savoir du côté de ces merveilleux chefs d'entreprise qui savent. Voilà. Hein. C'est juste dire un mot pour dire que la façon dont le débat s'est développé, en dépit des efforts de notre modérateur, c'est qu'il n'y a qu'une petite dimension des propositions que vous avez faites qui ont été discutées aujourd'hui. Et donc je vais faire un peu de publicité pour votre travail, en tant que représentant de la société civile. C'est que les propositions qui avaient été transmises sont extrêmement intéressantes. Je pense qu'elles sont couvrent de nombreux sujets, et pas seulement cette question de moralisation, elle pose aussi la question du bon fonctionnement de nos institutions. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de faire le lien entre les deux. Donc tu dois pouvoir être sans doute disponible. Vous envoyez un mail à thierry.brochot@elv.fr, je me promets C'est peut-être sur le site du parti. En tout cas, merci beaucoup d'avoir invité un député européen.